parti donc pour cette première course. Un bon départ pour Lévinus, mais très sollicité côté corps, Brave Leader. Et regardez Villa Leblanc qui tente de surmonter son couloir extérieur. Mais pour l'instant, c'est Brave Leader qui garde la corde devant Lévinus. Villa Leblanc, lui, est pour l'instant pris en épaisseur de Yodamen qui suit très près. Ensuite, dans leur sillage, il y a Bright Shining, Battle Ready, Lord Willington, Agincourt. Alors que Montant, lui, se retrouve en dernière position. Les chevaux sont dans la ligne opposée, en pleine descente, donc bientôt plus que 800 mètres à parcourir avec Brave Leader qui imprime le train avec deux longueurs d'avance sur Lévinus qui précède Yodamen qui court en troisième position. Bright Shining n'est pas mal non plus, accompagné à l'extérieur par Villa Leblanc, ensuite Pageantry Agincourt. Montante toujours en arrière-garde, juste devant lui Lord Willington. On a déjà passé la rue du gouvernement, toujours sous la pulsion de Brave Leader qui va toujours très bien à l'avant. Lévinus qui va faire l'effort pour recoller, tout comme Villa Leblanc quelque peu lancé. Bright Shining également là. Yodamen en pleine ligne droite finale avec Brave Leader qui repart de plus belle maintenant, lancé par son apprenti Denet à l'extérieur, on tente de revenir avec Lévinus, Bright Shining, mais Brave Leader a toujours l'avantage avec Pageantry qui tente de revenir, mais personne ne battra Brave Leader qui va le faire de bout en bout. La cause est entendue, Brave Leader s'impose, deuxième Pageantry, troisième Bright Shining. Eh bien, mesdames et messieurs, bon après-midi à vous, messieurs. Bilal Dinat qui ouvre son compteur aujourd'hui avec un cheval Brave Leader qui lui aussi remporte sa première victoire. De surcroît, dans une journée classique, Bilal, certainement un homme très très heureux aujourd'hui. Allez, bien content, on gagne des courses, je suis certain de ça, on gagne mon premier victoire. Et grâce à Amal, depuis longtemps, nous sommes côté qui est micro. Il me fait confiance, il me fait confiance beaucoup. Grâce à l'équipe aujourd'hui, même si on gagne une victoire, il me fait la montre. C'est ça qui m'a fait rôder. C'est le plus gros de mon travail. Je travaille bien dire, on gagne mon victoire. Mais aujourd'hui, grâce à Amal, on remercie beaucoup. Alors, vous savez qu'il dès l'ouverture des boîtes, vous travaillez un peu pour garder la corde. Et dès qu'il se va là, mettre divant, il galoperie l'axe. Et à l'entrée du virage, vous êtes confiant? C'est ça, oui. Au fait, 600 mètres, tu as au coup de mon armée. Je me dis ça accompagne, mais je suis bien confiant. Le départ, même, je suis confiant qu'il dit pour Alain Célal. Grâce à Amal, mon entraîneur. Je suis entraîné Amal. Eh bien, on est ravis pour vous, Bilal, comme le dire, cette première qui en appellera certainement d'autres. Continuez à travailler dur, à garder surtout les pieds sur terre. Et eh bien, avec le sérieux, on arrive toujours. Bravo. Donc voilà, Amar Sioudial qui enregistre une nouvelle victoire avec Brave Leader qui cause ici peut-être une petite surprise, même s'il était bien travaillé la dernière fois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la ligne, ça a beaucoup aidé. Oui, justement, la gagne avec sa première ligne et remise 4 kilos, tu parais un petit peu plus aller cette fois-ci, là, une rétine 0,20. Et non, là, tu travailles très très bien à l'entraînement et tu fais une bonne écoute la dernière fois. Et coating wise, c'est bien amélioré, il prend 10 kilos et ça nous fait beaucoup du bien. Et il paraît qu'il gagne confiance, c'est voilà. Et
Ben, beaucoup content. Bélan, il écoute l'instruction. Il est sorti. Il écoute mon instruction. Il dit qu'il démarre à partir de 600 mètres, ce qu'il vient faire. Et là, il gagne sur les courses parce qu'il y a une longue striding horse. Et il ne service pas. Et il pense à Cravasse, non rien, Hennen Hills. Je suis bien content pour lui. Un garçon qui me connaît depuis 10 ans. Et depuis que Michel Igmero, tu viens de faire son apprentissage à Floréal ensemble avec moi. Et la première fois qu'il me rencontre, et un bon petit garçon, il est toujours à l'écoute, il travaille dur. Et je me suis causé avec mon propriétaire, je me fais confiance, je me donne ça la montre là. Depuis trois dernières montres, il a mis une montée. Il finit de connaître là comment il était. Et non, je remercie Liam, il travaille dur. Ils ont dit qu'il est arrivé, il est récompensé et j'espère qu'il continue. Alors sinon, Amak, on nous guette la carte aujourd'hui, quelques chevaux ici et là. C'est peut-être la première fois qu'il y a autant de cheval dans une journée classique. Est-ce que, qui nous capable expect du côté de Amak Siodial aujourd'hui? Écoute, justement, tout le monde fixeuse qui nous fait un moment de cheval. Ignore Dream, pas galopé depuis longtemps. Spirit of the Witch, il y a un petit problème. Mais nous avons un rating benchmark aujourd'hui. Et non, on se voit très bien à l'équerrie. Et nous pensons nous faire une bonne journée aujourd'hui. Eh bien, nous croiser les doigts et pourquoi pas se retrouver un peu plus tard à Mar. En tous les cas, la première de Brave Leader. Merci beaucoup, propriétaire David Peng. Et c'est ce premier cheval qui m'a commencé à entraîner à l'équerrie pour lui. Et je suis vraiment content pour lui. Il tient un grand espoir un jour, ce cheval-là, pour gagner les courses. Et il se donne un rating 46, il met un rating 20. Et il est énormément. Il est parti décroisé, mais tous les temps, il dit c'est valable pour gagner les courses. Ils amènent retour, il tient l'idée effectif. Il gagne 6 sponsors, tu fais un gros trou dans ce 6 sponsors. Et l'année dernière, nous prenons beaucoup de patience avec ça, c'est valable. Il y a un cheval bien délicat. Et il n'est pas content de ce cheval reste à côté de lui. Il finit baisse d'oreille, tout ça. Et non, il est bien content pour le propriétaire parce qu'il tient beaucoup, beaucoup, beaucoup l'espoir avec ça, c'est valable. Ils amènent retour. Moi aussi, en tant qu'entraîneur, je donne mon best. Et quand c'est pareil, que tu trouvais qu'il s'est démarré le 1-16, aujourd'hui il gagne les courses au 0-20, mais je suis bien content pour mon propriétaire. Eh bien merci Amar, et sur ce on va retrouver Diogo et Rajiv, c'est à vous messieurs. Et le départ est imminent dans cette deuxième course, et c'est parti donc pour cette deuxième épreuve, 950 mètres à parcourir avec un bon départ de Mega Mouti, qui semble être le plus rapide. Van der Skelle à son extérieur. Bracchetto qui marquait un temps d'arrêt se porte en troisième position et côté corde. Ensuite, on retrouve Power Dive, Secret Idea, Storm Clipper, de leur sillage Nation Glow et My Man Alex. Alors qu'on a passé la roue du gouvernement, toujours sous l'impulsion de Mega Mouti devant Bracchetto, Van der Skelle toujours à l'extérieur. Power Dive fait l'effort à l'extérieur, le Secret Idea, Storm Clipper, qui tente de recoller au peloton alors qu'on aborde la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Mega Mouti qui fait un bel effort et tente de repartir maintenant. Lancé par Dinesh Chofoul, Van der Skelle fait l'effort lui aussi complètement à l'extérieur. Stone Clipper également qui tente de s'amener, mais Mega Mouti a toujours l'avantage, il va le faire de bout en bout. Mega Mouti devant Stone Clipper, troisième Secret Idea.
Eh bien, vous le disiez à l'analyse, de ne surtout pas écarter ce cheval Megamouti qui avait très très bien couru la dernière fois. Même s'il est quatrième, Raj, le cheval avait beaucoup tiré ce jour-là. Et à l'entrée du virage, on donnait cher sa peau. Et malgré tout, avait terminé à une plaisante quatrième place. Aujourd'hui, vous le raccourcissez, il revient un peu sur sa distance et il montre de quoi il est fait. Oui, il était très bien à l'entraînement. Je crois qu'il avait besoin de cette course la semaine avant. Et puis là, avec 950 mètres, c'est un cheval très rapide. Il était très, très bien à l'entraînement. Et là, je dois dire, je suis très content pour les propriétaires, M. Guillaume Audi, Denis Audi et Jean Audi, qui m'ont soutenu pendant très, très longtemps à l'écurie. Je devais lui donner une victoire parce que Candy Rock a été malchanceux l'année dernière. Et cette course est dédiée à cette famille-là, surtout. Alors justement, Raj, dès l'ouverture des boîtes, Brachito marque un temps à l'ouverture des boîtes. Votre cheval prend le commandement assez facilement. Dès lors, vous êtes certainement très confiant. Oui, et pour vous dire qu'il allait prendre le commandement si vite, j'avais un petit doute parce qu'il y avait d'autres chevaux qui étaient assez rapides, mais la façon qu'il est parti, la course était déjà gagnée au départ. Alors sinon, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le reste de la journée, Raj? Bon, j'aurais aimé que Sivadas, le vieux Sivadas, fait une très bonne course. 850 est dans ses cordes, mais il court dans une division supérieure. J'espère qu'il court une très bonne course. Eh bien, merci Raj et bravo pour cette première de Megamouti qui ne s'arrêtera certainement pas en si bon chemin. C'est un cheval de valeur. Sinon, n'oubliez pas, en passant, que le Pick Six débute sur cette troisième épreuve. Bonne chance à vous. Sur ce, on retrouve Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Voilà, départ de cette troisième épreuve. Tous bien partis avec In Your Dreams qui se montre le plus rapide, mais talonné de très près à l'extérieur par No Resistance, Cash Lord. Ensuite, il y a Strum, Sunset Breeze, pour l'instant en épaisseur à l'extérieur de Promissory. Ensuite, Gallop Polar Palace en dernière position. Cash Lord, juste devant ce cheval. Racing for Fun, alors qu'on passe au Toboggan Arctic à 1000 mètres du poteau. Avec In Your Dreams, donc, qui a pris le train. Mais voilà que Strum assiste à l'extérieur. Strum tente de partir maintenant. Voilà, va ravir le commandement à In Your Dreams. En troisième position, on retrouve Pride Rock. Ensuite, il y a No Resistance, Sunset Breeze, Promissory, Racing for Fun, Polar Palace et en dernière position, eh bien Cash Lord. On va accrocher la roue du gouvernement dans quelques foulées avec Strum qui a toujours l'avantage. En deuxième position, No Resistance à l'extérieur de In Your Dreams. Pride Rock encore bien dans le coup. Promissory également s'est rapproché le long du rail. Sunset Breeze commence à bouger complètement à l'extérieur alors qu'on va aborder la cour pour entrer en ligne droite finale avec, eh bien, avec Strum qui va tourner en tête. On tente d'arriver avec, eh bien, avec No Resistance. On assiste avec Promissory qui fait un bel effort au milieu de piste, complètement à l'extérieur. Racing for Fun va s'imposer devant Promissory.
Eh bien oui, Racing for Fun qui ouvre son compteur pour cette saison en 2017. Un cheval très honnête qui est souvent et tout le temps là chez Rich. Et aujourd'hui, après une bonne course de rentrée, qui lui a certainement fait du bien, le cheval sort une belle accélération pour s'imposer. Oui, Racing for Fun, enfin, c'est un cheval que j'adore. Il est très facile à entraîner. C'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur, c'est pour ça qu'il ne court pas régulièrement. Début de saison, il n'y avait pas son rating, donc il est revenu, il a couru. Je devais l'aligner sur un benchmark de 51, où il était là, il a fait seconde et il a entré. Et pour moi, aujourd'hui, les entrées, c'était ma meilleure chance. Mais avec la huitième ligne, j'avais un petit peu peur de peut-être Promissory et Sunset Breeze, qui sont des bons chevaux à l'intérieur de lui. Mais une course parfaite, que Kevin a bien suivi ses instructions. Il a sauté, il a placé le cheval off-pace. Et voilà, ligne droite, il n'y avait pas de false race, donc de sortir à l'extérieur et d'avoir un clear run. Une très, très belle monte. Et je suis très content aujourd'hui, mes beaux-parents sont à Maurice. Donc hier j'ai fêté notre première année d'anniversaire de mariage, donc très content pour la famille. C'est super Chirich, alors certainement vous n'êtes pas venu avec la fleur au fusil, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'autre aujourd'hui, les chevaux comment sont-ils? Bon, on a une bonne carte, j'espère qu'on aura de la chance. J.J. Wall, il se porte très bien à l'entraînement, aussi il faut faire avec la mauvaise couleur qu'il a eue. Mais bon, c'est un cheval que j'aime bien. Le matin, il donne à fond. Il est prêt, il est bien pour la course. J'espère qu'il aura une course. Peut-être on va essayer d'aller devant ou assez second. Après ça, on a Speed the Breeze, un cheval que j'estime beaucoup. Lui aussi, c'est un cheval qui n'a rien mal fait. L'année dernière, c'était tout le temps placé derrière Charles Layton, Prince of Thieves. Cette année aussi, une très, très belle course d'Eli Klaas. Je crois dans ses chances, c'est un cheval honnête aussi qui donne de son milieu à chaque fois. Et on a Roman Sylvanus qui avait un parcours assez difficile la semaine dernière. Donc, mais le cheval est bien, j'espère qu'il fera une bonne course. Et Plain of Wisdom aussi, il se porte bien, c'était peu de placé. Eh bien merci Chirich, on va comme on dit croiser les doigts pour vous et pourquoi pas remporter encore une ou pourquoi pas deux au cours de cette journée. En tous les cas, bravo pour cette belle victoire de Racing for Fun qui a enregistré ici sa troisième victoire depuis qu'il évolue chez nous. Sur ce, on va bien sûr retrouver Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Quatrième épreuve. Voilà, c'est parti pour cette quatrième épreuve. Elle est dotée de The Gold Label Cup, 1850 mètres à parcourir avec J.J.'s Wild qui semble assister pour le commandement. Et qui va donc ravir le commandement à Parker qui est quelque peu repris. Ensuite, Sylvada suit en troisième position. Down Under est juste à son intérieur. To Be Snappy est juste dans leur sillage, accompagné à l'extérieur par Trackmaster. Ensuite, Dustin Bandido Caballero ferme le cortège alors qu'on passe devant les tribunes pour la première fois. Toujours sous la pulsion de J.J.'s Wild qui imprime le train devant Parker. Down Under est toujours troisième, accompagné par Silver Dice. To Be Snappy est juste derrière, à son extérieur, Trackmaster. Ensuite, Dustin est toujours Bandido Caballero en dernière position. Un train assez lent, imprimé par J.J.'s Wild en tête de cette épreuve. En deuxième position, toujours Parker. En troisième position, Down Under, toujours à son extérieur, Silver Dice. Ensuite, on retrouve To Be Snappy, Trackmaster, Dustin. Et toujours le coursier de l'écurie, Ricky Margar, Bandido, Caballero en dernière position. On est à 800 mètres du poteau. J.J.'s Wild, toujours en tête de cette épreuve. Donc, son cavalier contrôle son pas à sa guise, avec en deuxième position Parker. Silver Dice se rapproche à l'extérieur de Parker. Down Under, toujours en quatrième position. Trackmaster se rapproche à l'extérieur de To Be Snappy, Dustin, Bandido Caballero. On est à 400 mètres du poteau. Il faudra venir chercher J.J.'s Wild alors que Parker passe et le premier à passer à l'offensive. À l'arrière, on est lancé avec Silver Dice, avec Down Under, Trackmaster, To Be Snappy en pleine ligne droite finale. Avec J.J.'s Wild qui tente de repartir maintenant. Lancé par Kevin Gonoa avec Parker qui fait l'effort. Down Under complètement à l'extérieur. Parker à milieu de devant avec Down Under, Trackmaster également là. Trackmaster, Parker, Trackmaster! Trackmaster qui s'impose devant Parker, troisième Down Under.
Et revoilà donc Trackmaster dans cette quatrième épreuve. Il faut dire que Yannick, ce cheval a pris un peu plus de temps cette année pour retrouver ses automatismes. Et aujourd'hui, il a bien giclé pour venir s'imposer, vous offrir une très très belle victoire. Oui, on doit dire que les courses de 1850 sont assez rares. Et heureusement que l'année dernière, il a eu quelques fois où la course a été annulée. Il n'avait pas eu toutes ses chances. C'est aussi triste, la dernière fois qu'il était rentré, il avait eu une toux, j'ai eu le skip, donc j'étais un petit peu inquiet du fait qu'il n'avait pas couru de course intermédiaire dans cette course-là. Et je dois dire que l'équipe a beaucoup travaillé, je suis très content, le Palfronic est avec aujourd'hui, a donné beaucoup de sa personne pour remettre ce cheval comme il est. Et c'est un cheval très, très délicat et pas sound. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir de le voir gagner aujourd'hui. Alors Kinsley Ramsamy, auteur d'une course parfaite, puisque c'est assez compliqué. Le passage s'ouvre juste au bon moment et il fallait y être. C'est ça, le cheval donne un bon coup de rein et c'est une très belle montre de Cossé. Ça lui donne un peu de confiance. Il a besoin de monter une grande course à la sixième course, un des meilleurs chevaux de la course, sinon le meilleur. Donc je lui souhaite bonne chance et j'espère que son stress aussi s'est apaisé un peu. Alors, Yannick, c'est à quel moment que vous avez cru, vous, franchement? Depuis le tournant. Je le voyais, il était bien sur le mort et j'ai confiance en ce cheval. Je sais qu'il a un très gros cœur. Sinon, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le reste de la journée, pour vous? On a une chance de placer peut-être dans cette course. Je pense que lui aussi manque d'une épreuve. Il avait été blessé à l'œil à sa dernière sortie, Ole Gunnar. Et je pense qu'il devrait courir une course raisonnable. C'est un big striding horse. Je me demande s'il pourra settle derrière un cheval. Peut-être qu'il sera obligé de courir un peu en épaisseur aujourd'hui, mais on verra bien. Eh bien, bravo Yannick. Et continuez le travail fantastique que vous faites. Et ça fait beaucoup plaisir de voir Trackmaster sortir cette belle accélération pour s'imposer. C'était une valeur sûre dans cette épreuve, Yannick. Donc sur ce, on va retrouver évidemment Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Voilà, ils sont tous partis. En tête de la course, pour l'instant, eh bien, il y a Leclos, il y a Everest. Leclos va diger les opérations avec un Bridal Joy à son intérieur. Everest s'assoit tranquillement en troisième position. Puis nous avons le cheval Split the Breeze à son extérieur. Top Jet, Sheer Trouble à l'intérieur de Sheer Trouble, Ole Gunnar. En dernière position, Tabrik. Les chevaux vont passer au poteau des 1200 mètres, toujours. Alors, c'est Leclos qui dirige les opérations avec une longueur d'avance tout juste devant un Bridal Joy. En deuxième position, en troisième position, décalant maintenant de la corde, se trouve Everest. Derrière lui, un autre gris, Top Jet à son intérieur, Split the Breeze. Puis nous avons Sheer Trouble, le cheval Ole Gunnar. Et en dernière position, Tabrik. Les chevaux n'ont plus que 600 mètres environ à parcourir. 6-7 longueurs du premier au dernier. En tête de la course, toujours Leclos. Voilà qu'Everest amorce son attaque. Va aller de très loin parce qu'il a de la résistance. Il est suivi comme son ombre par Top Jet dans son sillage. En troisième position, bien calé à la corde, nous avons Unbridled Joy. Les chevaux entrent dans la ligne droite finale. Everest s'en prend le dessus chez les autres alors que Split the Breeze tente d'arriver. Everest tourne en tête alors que Bridal Joy est à son intérieur. Everest à l'extérieur, Split the Breeze. Split the Breeze maintenant place une attaque fulgurante à l'extérieur alors que Bridal Joy fait de la résistance. Alors c'est Split the Breeze à l'extérieur qui va aller gagner cette course.
Eh bien, enfin, split the breeze, pourrait-on dire. C'est une victoire amplement méritée pour ce coursier qui était toujours placé, souvent battu par de très bons chevaux, mais qui est toujours là, Chiriche. La confiance était de mise. Il ne vous a pas déçu cette fois? Définitivement, très très content qu'il a pu se gagner aujourd'hui. C'est un cheval très honnête qui donne tout dans la course. Il fight jusqu'à la dernière stride. Mais un peu malchance l'année dernière, on est tombé sur Prince of Thieves, Charles Staten à chaque fois. Mais très très content. Il faut que je dédie cette victoire à la famille Taillé, spécialement Baïm. Baïm, c'est lui personnellement qui a acheté le cheval. Il croyait beaucoup, il aime beaucoup ce cheval. C'est un cheval, c'est vrai qu'il a de la classe. Mais on a eu un peu de malchance l'année dernière de tomber sur des très bons chevaux chaque fois. Donc grand bravo à Baïm pour avoir acheté ce cheval. Il n'a rien fait mal à Maurice. Sur la corde, c'était notre meilleure chance. Et Kevin ne l'a monté pas fait, donc très très content. Alors c'est vrai que Kevin Gunnois, très en confiance, déjà avec une victoire dans l'Escarcelle, ça a relâché la pression. Il prend option extérieure, qui est une option gagnante, Chiriche. C'est sûr, comme je l'ai dit, qu'il n'y avait pas de stress de placer le cheval et de garder pour le finish. Et là, quand il a pris une très bonne décision de sortir et prendre le mesure de ce top jet qui était à côté de lui dans la couche, tout le long de la course. J'aimerais bien inviter M. Alain Pietro, dis un mot. Mais très content pour la famille Taille. Donc, c'est vrai que c'est la bonne humeur entre entraîneurs. On se titille et on se congratule également. Alors, Chiriche, dans l'épreuve phare, on va y revenir. Dans l'épreuve phare, vous n'avez pas de partant. Et vous avez certainement suivi un peu le travail des participants. Quel est votre favori dans notre deuxième classique? Bon, dommage qu'on n'a pas Hilbo avec nous pour courir cette course, mais sinon on avait, je croyais dans ses chances. Mais bon, c'est une course avec des chevaux, quelques très très bons chevaux. Parachute Man, c'est sûr, c'est un cheval de classe. Est-ce qu'il est prêt pour reprendre la compétition? Est-ce qu'il est bien? Je l'ai pas trop vu à l'entraînement. Mais bon, sur papier, c'est Parachute Man, mais ensuite j'aime bien, il y a Charles Layton, One Cool Dude, qui est vrai cheval de classe dans cette course. Et pour terminer le quartier, peut-être un outsider recall to life. Eh bien, merci Chiriche. En tous les cas, bravo. C'est un beau doublé. La belle série continue, Chiriche. Donc, bravo à vous. Et bravo à toute l'équipe. Sur ce, on retrouve Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Eh bien, mesdames et messieurs, on est parti pour cette épreuve de groupe 1, la Blue Label Barbie Cup, deuxième classique de la saison, avec Captain Magpie dès l'ouverture des boîtes, qui se montre le plus rapide. Et regardez Tendraji, qui surmonte son couloir extérieur pour se placer dans la foulée de Captain Magpie. Easy Lover est lui en troisième position. Il est accompagné par Charles Layton de l'arcillage court Enad, qui lui a son extérieur. Parachute Man, ensuite Gallop ML Jet, Prince of Thieves est pris en épaisseur également de One Cool Dude. Ensuite il y a Recall to Life en dernière position, on retrouve Orsom Adam alors qu'on est en pleine descente. Train pas très rapide dans cette course. Captain Magpie en tête avec Tendraji, idéalement placé en deuxième position. Puis nous avons Charles Seaton à son extérieur. Easy Lover en quatrième position à la corde. Puis nous avons Enad à l'extérieur complètement. Progresse pour l'instant. Parachute Man, nous avons également le cheval Prince of Thieves dans son sillage. Parachute Man est passé en deuxième position et revient tout doucement se placer dans le sillage du leader. Alors qu'on accroche la rue du gouvernement, Captain Magpie va voir arriver sur son arrière-main Parachute Man. Tendraji toujours idéalement placé. Easy Lover est encore bien dans le coup. Tout comme Prince of Thieves, Charles Layton. On commence à bouger également avec Enad, avec One Cool Dude. Alors qu'on aborde la courbe pour entrer en ligne droite finale, Captain Magpie, Tendraji qui fait l'effort à l'extérieur, complètement à l'extérieur. Parachute Man, Easy Lover qui tente d'arriver côté corde. Mais Tendraji a mis le nez devant. Tendraji va-t-il faire l'exploit? Tendraji, mesdames et messieurs, Tendraji remporte la Coupe d'Or. Deuxième Easy Lover, troisième Enad, quatrième Parachute Man.
Eh bien, il n'y a vraiment pas de mots pour qualifier cette performance de Tandragi aujourd'hui, qui a vraiment été, qui a sorti une performance, la performance de sa vie. Sixième saison depuis qu'il évolue chez nous. Et il n'y a pas une qui n'a pas remporté au moins, ne serait-ce qu'au moins une course. Mais cette année, c'est un peu comme le bon vin, il se bonifie, alors que l'écurie Galadard présageait des moments durs avec le forfait de Crimson Captain. Mais ils ne se sont jamais découragés, ils ont passé au plan B avec Tandragi qui restait sur une belle victoire sur 1365 mètres. Il fallait le remettre au travail pour passer sur le mile, ce qu'ils ont réussi avec brio. Bravo messieurs. Alors Stephen, congratulations, your first Group 1 race, classic win here in Mauritius. You must be very, very happy. Yeah, it's a big thrill. You know, I've won quite a few good races in Australia, but the thrill here is unbelievable because of the atmosphere is brilliant. And, you know, to be in a stable environment and work with a stable, you know, we obviously had a bit of bad luck with Kremlin Captain. So for the team to get this horse right, it's a great effort by the whole team and a big thrill. So definitely the barrier was of concern. And once you place the horse behind the leaders, we could feel that Tandragi will be right there. Yeah, he's quite a quick horse, so we were happy that if we give him a bit of a kick, he could roll across and get into that spot. He did, and then he switches off nicely in the run, and we actually didn't go that quickly down the back. We had a bit of a rest, and I was able to sort of nurse him till we had to go, and then he sprinted well, and courage got him over the line in the last 50 metres. And I think Sun's cheering as well. So he's definitely better on sprint, but today on the mile he was marvellous. That's right, yeah. If he can get that right run where he just hold up and just have one little crack at them, it suits him well, and that's what he was able to do today. And this is definitely a special horse for the stable, for the family, Gajadar's family. Six season here in Mauritius, and winning the Barb is what an achievement. Yeah, it'd be a great thrill for the, you know, the family and the whole stable, because this horse has been one of the favourites, obviously, for many years. So great thrill to win a good race today. Well, Stephen, congratulations. Well done. Thank you very much. Bravo. Alors certainement avec beaucoup d'émotion quand vous sortez en piste, allez chercher Tandragi après tous les déboires qui vous êtes tombés dessus, Soon, mais vous ne vous êtes jamais découragé. Ça fait partie des courses, il faut toujours penser au plan B. Et aujourd'hui Tandragi vous le rend bien et vous le rend de quelle manière, Soon? Oui absolument, Jean-Philippe. Tu sais, allons dire les choses quand même. Je crois que je suis un peu changé dans les classiques. C'est vrai. Je suis un peu censé dans les classiques. Je pense personnellement que la course n'a pas été courue sur la distance. On avait décidé de bounce et le placer sur le bord et attendre la ligne droite pour bouger. Et j'étais un peu surpris qu'il a pu trouver le bord aussi facilement. Je pense personnellement que les autres se sont réservés un peu trop. Tant mieux, tu sais, il y a toujours des circonstances dans une course. Je voudrais dire un grand merci à Gopal, à Mukun, à ma femme Souda et à toute l'équipe derrière moi. J'ai en tête ici surtout Nares, Birdio qui s'occupe de lui à Pointe-Sable, Inas beaucoup, Sandragi, et aussi Soubasa Floréal et toute l'équipe de Palfrenier, sans oublier mon ami Alec. Et enfin, à tous ceux qui contribuent à l'écurie, et qu'on est très très content de remporter une deuxième classique cette année-ci, c'est pas facile. Très très content de la performance de Enad. Ah oui, et comment? Oui, il est remonté fort, mais tu sais, l'expérience me dit que pour moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il termine là, je te dis franchement. Je pense qu'il pourrait avoir une course un peu trop dure pour lui. Tu sais, le chevaux de classe, quand ils viennent après très longtemps, ils donnent beaucoup. En anglais, on dit des flash-out. Je crains qu'il faudra le ménager. C'est clair que Parachute Man avait besoin de cette course et que...
il va être très très difficile à battre la prochaine fois. Alors, écoutez, il y a des raisons d'y croire hein, quand vous voyez la performance des Nats qui lui aussi revient après, en tous les cas, ça promet pour le sport, ça promet pour les courses et on est tous, Turfis, qu'on est ravis de ces futurs matchs qui se profilent à l'horizon. Alors, Soon, est-ce que au moment où Tandraji arrivait, on sentait que les autres n'arrivaient pas, vous vous êtes frotté les yeux, vous dites, c'est pas possible, il nous fait la performance du siècle, quoi. Oui, tu sais, Tandraji est exceptionnel. C'est sa sixième année et il est toujours compétitif au plus haut niveau. C'est pas donné à tout le monde. Je dois te dire que quand il a pris le box-seat derrière Captain Magpie et que le temps n'était pas Le pas n'était pas vraiment agressif et que ce n'est qu'à partir de 600 mètres que Parachuteman s'est déballé. J'ai pensé qu'il allait partir de 1000 mètres et que Tandraji était toujours en main. Arnold a monté, je dois dire un grand mais oublié, lui dire c'est le principal architecte de cette victoire. Steven, comme tu sais, est un jockey de Chevronnet. Il a attendu que la ligne droite, mais quand tu sprintes et qu'il a eu une course tranquille, il a un devastating turn of foot et que c'est pas difficile de le remonter. C'est très très difficile de le remonter. Encore un grand merci à Steven et à toute l'équipe. Eh bien, en tous les cas, un grand bravo à vous, Soon. Un grand bravo à toute l'équipe, à tous ceux qui vous aident dans votre tâche. Passer à ce plan B, c'était pas chose facile, mais vous n'avez jamais baissé les bras. Vous êtes, en tant que compétiteur que vous êtes à l'écurie, vous avez remonté la pente, comme on dit, avec brio. Et si vous le permettez, on va vous appeler Monsieur Classique, puisque vraiment, vous avez vraiment la main très, très heureuse dans les barbets. On est ravis pour vous, en tous les cas, et que ça continue, Soon. Merci, bravo. Merci, et en tous les cas, quelle victoire. La prochaine course pour nous, c'est le Méden du 3 septembre. Il faudra penser 10 fois pour savoir comment battre un parachute. En tous les cas, on a encore du temps d'y penser, mais en tous les cas, on se frotte déjà les mains en vue de ces prochaines joutes. On a oublié le cheval de Rames qui a gagné en grand style la semaine dernière. Tout à fait, ça promet. En tous les cas, bravo à tous. Et sur ce, on va retrouver Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer dans cette 7e course de la journée avec Green Label Cup. 1600 mètres à parcourir avec Silver Snaffles qui fait l'effort de son troisième couloir pour diriger les opérations suivies dans son sillage Seeking the Dream sur les bas, son extérieur court Lee Star. Voilà que Great 5-8 qui passe complètement en troisième fessure pour se positionner en deuxième position. En quatrième position, nous avons Lee Star, Beach in a Bottle, Roman Sylvanus et Femoral Cortège. Nous avons Spirit of Dover. Les chevaux vont passer au Tourbeval Arctique, bientôt plus que 1000 mètres à parcourir. Silver Snaffle qui ouvre toujours la voie avec Great 5-8, le favori qui tente de se placer dans sa foulée. En troisième position, idéalement placé, il y a Seeking the Dream. Ensuite, il y a Lee Star, Beach in the Bottle qui est accompagné par Spirit of Dover. Et bien Roman Sylvanus qui ferme le cortège. Nous sommes à peu près 600 mètres de l'arrivée. Toujours Silver Snaffles qui contrôle les opérations, suivi de Great 5-8, Seeking the Dreams, qui a un parcours de rêve en troisième position sur les bords. À son extérieur court maintenant Spirit of Dover, Lee Star en quatrième épaisseur. Voilà que Roman Sylvanus qui commence son effort à l'extérieur de Lee Star, alors que Beach Wind Battle ferme le cortège. Silver Snaffles, maintenant Spirit of Dover qui commence son effort. Nous avons Great 5-8, les chevaux entament la ligne droite finale avec Silver Snaffles qui contrôle toujours les opérations. Lee Star qui vient à son extérieur, Silver Snaffles à son intérieur, nous avons Lee Star, Silver Snaffles qui fait de la résistance, Silver Snaffles qui fait de la résistance et qui va dominer Lee Star sur le but. À la troisième place, nous avons Roman Sylvanus.
L'honneur ne vient jamais seul après le sacre dans notre deuxième classique de la saison avec Tandragi autour de Silver Snaffles d'ouvrir son compteur Soon, monté par le jeune Ali Hossein qui cette fois-ci n'a pas commis d'erreur en repoussant l'attaque de l'Istar qui faisait illusion à l'entrée du virage. Oui, Jean-Philippe, je suis très content pour Ali Hossein. Il remporte sa première course contre les professionnels. Je dois dire que la semaine dernière, quand Swapnel avait monté Snapples, il m'a dit que The Horse blew up à 300 mètres du but. C'est un peu ma faute. J'ai pensé que le cheval n'était pas fit et qu'on l'avait un peu trop ménagé. Je me suis dit, dans ce cas-là, il peut prendre une course une semaine après et qu'on a été bien... Il a donné un travail léger pendant la semaine. Je crois que son avantage dans cette course, c'était qu'il portait 62, mais on a eu la décharge de Jamil et qu'il ne nous a pas laissé tomber. Très content de remporter un doublé le jour d'une classique. Et que c'est très difficile maintenant pour nous. La compétition, je voudrais te dire aussi que, contrairement à ce que je t'avais dit pour Arnold, sa famille est là et que donc il a décidé de rester jusqu'à après le Médène. Sûrement, il a dû énade. Il a eu des idées en tête. Il va rester jusqu'à après la journée du Médène et que. Il y a certains chevaux comme Ready to Attack et Malak El Moulouk qu'on avait comme si written off. Ils reviennent, contre toute attente, ils reviennent. Et que. Quel espoir, donc. Et, y compris Enad aussi, je l'avais write off parce qu'il avait un gros problème des deux. Là, je dois dire un grand merci à Alec, mais aussi à Guy, le chiropracteur, qui a fait un travail énorme avec ce cheval-là. La roue tourne dans ce giron-là et que tu m'avais dit que les choses vont s'améliorer. Les choses sont améliorées, mais pas. Mais il faut le voir en course. Malak El Moulouk est ready to attack. Je pense que les deux peuvent prendre une course d'ici 2 à 3 semaines. Alors, Soon, dans la dernière, vous avez Cape Horn, hein, c'est un cheval qui vous a quand même toujours bien défendu. Arnold, 7, 8e, 10e, 11e couloir, c'est pas un problème, on l'a vu dans le Barbet. Les feux sont au vert? Oui, non, je pense qu'il sera de l'arrivée, mais le cheval est très bien. Mais il faut faire attention parce qu'il monte de catégorie avec le 5 points de Kalidas à quoi qu'il gagne. Il a déjà monté par 15 points, donc ça fait 7,5 kg pour te dire. Il a monté de classe et que, par contre, il y a d'autres. Comme Triad of Fortune et même Mount Fuji qui est très compétitif. Je crois que la course va être rudement disputée, mais je pense qu'on a une bonne chance. Et bien sûr, on croise les doigts et peut-être le hat-trick dans quelques instants. Sur ce, on va se retrouver avec les analyses dans quelques instants. Départ de cette 8e et dernière course au programme avec Mount Fuji très sollicité. Mais très vite débordé à l'extérieur avec Zen Master, Rock Hard également bien parti. Triad of Fortune également qui va bien se placer dans le sillage de Zen Master qui prend les choses en main. Rock Hard et se retrouve à l'extérieur du coursier d'écurie Patrick Mervin. Ensuite, court Mount Fuji qui on reste à son extérieur. Pour l'instant, un parcours extrêmement difficile pour Al Firenze. De leur sillage à Plain of Wisdom. Ensuite, en dernière position, on retrouve Epistrike. Les chevaux donc sont dans la ligne opposée avec et toujours Zen Master. Voilà que Kula qui tente de partir maintenant un peu plus loin, un peu très loin pour se porter à la hauteur de Zen Master et même peut-être le ravir le commandement. Voilà, Kula va prendre les choses en main devant Zen Master. Rock Hard se retrouve toujours en troisième position. Triad of Fortune est pas mal non plus. Al Firenze, Cape Horn. Ensuite, il y a Mount Fuji, il y a Plain of Wisdom et Epistrike toujours en dernière position alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. Voilà que Zen Master reprend les choses en main et attaque sérieusement maintenant Kula en pleine ligne droite finale. Kula, Zen Master
à l'extérieur. Il y a Tree Out of Fortune, Mount Fuji également, qui tente de se frayer un passage. Tree Out of Fortune, un millionnaire devant à l'extérieur. Cape Horn qui termine de plus en plus fort. Tree Out of Fortune va aller s'imposer. Tree Out of Fortune devant Mount Fuji. Troisième Cape Horn. Il y aura photo pour la quatrième place. Voilà, donc le sourire quand même sur les lèvres de Patrick Mervin. Il ne rentrera pas à la maison Bredouille avec Tree Out of Fortune qui sort une belle accélération, Patrick, pour s'imposer et remettre un peu le sourire sur les lèvres de tout le monde pour rentrer à la maison. Oui, bien sûr. Nous, à l'écurie, enfin, personnellement, moi, je pensais que c'était définitivement notre meilleure chance de la journée aujourd'hui, vu qu'on était redescendu dans les 36. Et que, par exemple, le concurrent principal, c'était Cape Horn. Et lui avait gagné en 31 et en 0,25. Donc là-dessus, j'étais vraiment assez confiant. Hein. Et j'avais un peu analysé dans le sens que Cape Horn avait battu Kentucky Bluegrass. À cette distance-là, je pense que Triad of Fortune est légèrement meilleur. Donc c'est pour ça qu'on a été assez confiant sur cette course-là. Alors, il n'a pas pu dicter son train, Patrick. Il a suivi dans le sillage de Lideuse. Mais malgré tout, il a bien giclé hein, pour finir. Oui, au fait, c'était un peu les instructions. Hein. Je ne voulais pas qu'il... Bon, il y avait le cheval de Chan qui avait du pas. Et il y avait un autre cheval que j'avais vu. J'avais pensé un peu à Mount Fuji aussi, qui avec ses œillères allait être un petit peu prêt. Alors, j'avais dit à Imran de s'asseoir 2-3, là où il pouvait. Eh bien, c'est très très bien. Et puis, il a pris la bonne décision de sortir avant le tournant. Parce que justement, il y avait les deux chevaux qui faiblissaient devant nous. Heureusement qu'il a pris la décision de partir. Et il a monté une très bonne course. Et on est très contents. Et je vais te remercier, Jean-Philippe, parce que comme on gagne très rarement de courses, exceptionnellement, tu as fait une interview pour la dernière course. Et mais c'est sympa. Mais c'est avec plaisir, Patrick. Alors, il y a les nouveaux qui devraient arriver dans les semaines à venir, certainement. Vous avez pas mal de nouveaux qui vont débuter dans les semaines qui arrivent, Patrick. Oui, ils prennent un peu de temps. Enfin, nous aussi, on a voulu prendre un peu de temps avec eux. On aura deux qui vont démarrer la semaine prochaine, deux ou trois même, peut-être. Et c'est ce qu'on avait dit, nous, on avait dit juillet. Et bien là, on est dans juillet. D'ici fin du mois, ça va aller. On aura beaucoup plus de nouveaux. J'espère que ça va aller mieux. J'aurais voulu dédier cette victoire-là à Ruben, qui fêtait son anniversaire il y a deux jours de ça. Et qui était l'euro propriétaire avec Nora, je lui ai dédié cette victoire-là. Donc, bravo Patrick, et puis la bonne nouvelle également, Imran Chisti qui a décidé de rester un bout de temps, c'est tant mieux également pour vous. Oui, ça c'est une bonne nouvelle, on a pu le convaincre de rester jusqu'à la fin. Il va s'absenter en principe pas pendant la journée, il y aura un break au mois d'août, il va partir... Il va s'organiser pour partir pendant le break. Et donc, je pense qu'il ne devrait pas manquer aucune journée de course. Eh bien, tant mieux pour vous, Patrick. En tous les cas, bravo. Et bravo également à toute l'équipe pour cette belle victoire de Triad of Fortune. Toute l'équipe ici vous remercie. Et on va bien sûr rejoindre Jug et Rajiv pour le mot de la fin. C'est à vous, messieurs. Cette journée qui avait bien débuté pour
L'écurie Amar Siudial et le jeune Bilal Dinet en selle sur Brave Leader qui s'est imposé. Brave Leader qui s'en va gagner cette première course devant Pageantry, Bright Shining, quatrième Lividus. On savait que c'était un coursier véloce. Là, je parle de Megamouti qui est parti en tête, remporter le premier rendez-vous sur 950 mètres. Megamouti gagne de bout en bout devant Storm Clipper, Secret Idea et Van der Scale est venu finir à la quatrième place. Van der Scale. Dans la troisième course, Racing for Fun. Regardez à l'extérieur qui va l'emporter. Racing for Fun à la deuxième place, Promissory. Troisième Pride Rock, quatrième Sunset Breeze. Finish éblouissant pour Kersley Ramsamy, Kazaka Bleu dans le dos de parc ici. Down Under à la lutte pour la victoire également avec la toque jaune d'Imran Chisti. Trackmaster passe entre les deux pour venir battre parc. Down Under finit à la troisième place et c'est Dubi Snappy qui prend la quatrième place. Dans la cinquième, alors regardez à l'extérieur, Split the Breeze de l'écurie Shiri Shinaran, monté par Kevin Gonoa, qui va venir l'emporter pour la deuxième place, Unbridled Joy, troisième Everest et quatrième Tabrik. Une course remplie de sang-froid pour Stephen Arnold qui n'a fait que suivre dans la foulée de Captain Magpie pour prendre l'initiative en pleine ligne droite. Et là, il va beaucoup travailler pour repousser l'assaut d'Easy Lover à l'intérieur. À l'extérieur, il y a son compagnon d'écurie Enad et Parachute Man complète le quartet. La septième course, Silver Snapples de l'écurie Gajdar, Jamir Ali Hossein qui le mène à bon port. Lee Star est deuxième, Roman Sylvanus troisième, Spirit of Dover quatrième. Course d'attente remarquable pour Imran Chisti. Trial of Fortune passe à l'offensive à l'entame du dernier virage et va repousser tant bien que mal l'attaque de Mount Fuji.